C'est où la voiture? Ben, je voulais changer un peu, je l'ai mis Simon. Il est neuf. Va, il est bien. Tu regardes. Spectacle. Pas de parcouille. Mais je suis allé voir sur Internet, c'est nul. Ça a l'air Dommage. Comment ça a l'air nul? Ça a l'air nul, c'est bidon. C'est les gens qui t'ont dit que ça avait l'air nul ou... Non, je suis allé voir les vidéos. Ah, t'es allé voir, ok. La douche, Aliane? Voilà la douche. Aiden. Aiden. Voilà la douche. Bien. Voilà la douche. Bien la douche. Bien. Qu'est-ce qu'on regarde? Je sais pas ce que tu veux. Bah non, toi ce que tu veux. Il y a quoi regarder The Walking Dead? On a The Walking Dead. Il n'y a pas toute la série, on va devoir s'arrêter. Il y a quoi alors qu'on peut tout regarder? Il y a Anna. Il y a The Witcher. Là je le revois. Je range les deux, hein, parce que ça se garde pas les cheveux. Aiden? Aiden, fais coucou maman. Aiden! C'est le premier pot officiel où il accepte de s'asseoir et ne pas bouger. Hein bébé d'amour? C'est ton tout premier? Hello, j'espère que vous allez bien. Désolée, je sais que c'est pas très poli de vous regarder. Il est 16h55, je vais aller récupérer Biba et Edou à la crèche. Et en allant à la crèche, en rentrant du travail, parce que là aujourd'hui j'ai travaillé au restaurant et du coup j'avais à manger. J'ai du poulet à sac que ma mère et ma copine a préparé aujourd'hui. Donc du coup je l'ai ramené, il en restait, j'ai ramené ça à la maison. Je voulais faire le riz juste avant d'aller chercher Biba et Edou à la crèche. Comme ça je me suis dit au moins si on rentre, le plat est déjà prêt quand Biba et Edou il a fait. Parce qu'en ce moment Biba et Edou remange. Je ne sais pas si je vous l'ai dit.
Mais ça fait presque une semaine, au niveau des toilettes, au niveau des selles, il arrive super bien à aller aux toilettes sans crier, sans pleurer et tout. Ça se passe super, super bien, donc je suis vraiment contente pour ça. Et il mange très, très, très bien en ce moment. En ce moment, franchement, alhamdoulilah, je croise les doigts, tout va bien, je touche ma tête. Tout va très bien pour Bébé Aïdou, pour moi, pour la maison, il y a tout qui va bien. Mais moi, psychologiquement, après ma fausse couche, eh bien, ça allait pas, mais là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, tout va bien. À part mon bouton que j'ai là, au plein milieu du front. Entre le nez et les, au milieu du nez et entre les sourcils, à part ça, tout va très bien. Donc là, j'ai pensé à une de vous qui m'avait dit une fois d'acheter 5 kilos de riz et de garder ça à la maison. Et franchement, je pense que c'est ce que je vais faire, mais je ne vais pas l'acheter directement le 5 kilos parce que je sais que chez Aldi, je ne sais pas si c'est Aldi ou Destock, ils vendent 1 kilo à 1 euro. Donc du coup, je vais aller, je vais acheter au moins 5 ou 6 comme ça et puis je vais acheter un grand bol chez Ikea et je vais tout mettre dedans. Comme ça, au moins, ça va être plus facile et je le laisserai comme ça sur mon plan de travail. Et dès que j'ai besoin de riz, ou je le range dans l'armoire parce que j'aime pas quand il y a des choses qui traînent sur le plan de travail. Et dès que j'ai besoin de riz, eh bien, j'ai juste à prendre 2 ou 3 verres de riz et me faire ça à manger. Comme là. Franchement, si j'avais ça, aujourd'hui, ça aurait été parfait. Je rentre à la maison, je mets mon riz à cuire dans le rice cooker et je pouvais sortir aller chercher mon petit bébé tranquillement. Et là, je me suis lavée, j'ai pris la douche et tout, comme ça au moins pour ce soir, c'est déjà bon. Parce qu'après le restaurant, j'ai senti la bouffe, j'aime pas du tout sentir l'odeur de la bouffe. Donc là, je sens hyper bon, je me suis lavée, je me suis mis la crème et tout, je suis toute propre, je me sens fraîche en plus. Il y a juste les cheveux qu'il va falloir que je lave, mais j'ai pas lavé parce que je m'enlevais les mèches ce soir. Je vais commencer à les enlever ce soir, je pense que je vais finir demain. Donc là, après avoir récupéré Bébé Aïdou à la crèche, je vais aller chez Action parce que j'avais acheté une bonbonne à gaz que je n'ai pas utilisée. Du coup, je vais aller me faire rembourser tout simplement. Et quand j'ai acheté les cadeaux pour les petits, parce que pour l'anniversaire de Bébé Aïdou, à la fin de l'anniversaire, en fait, j'ai distribué des petits cadeaux aux petits. Et les cadeaux que j'ai distribués, ben, il m'en restait 5 petits livres à colorier, des trucs à bulles là. Tu vois, je ne sais pas si vous voyez les trucs à bulles, les flacons à bulles, voilà, je crois qu'on appelle ça comme ça, les flacons à bulles. Ça, il m'en restait, mais ça, j'ai donné aux enfants en plus. Mais les cahiers de coloriage, eh bien, ça, j'en ai encore 5 ou 6 de plus, parce qu'au total, j'en avais pris 20 ou 25. Ouais, j'en ai pris 25 au total, et du coup, comme il y a eu 20 enfants, du coup, les 20 enfants qu'il y avait là, ben, ils ont eu. Du coup, les 5 qu'il y avait en plus, ben, je les ai récupérés. Et je vais acheter aussi des autocollants Pat Patrouille, de Mickey, de Disney, tout. Mais ça, je leur ai donné en plus. C'est pas grave parce que c'était pas trop cher. Ça m'avait coûté 1 euro, genre, dans le paquet, il y en avait 5 ou 6. Du coup, j'en ai donné 2 ou 3 par enfant. Au lieu d'en donner juste un seul, c'est ce que j'avais prévu de base. Et j'avais acheté des enveloppes parce que j'ai mis tous les petits cadeaux dans les enveloppes pour les gosses avec des pancartes et tout. Et les enveloppes que j'ai en plus, ben, je vais les ramener aussi. Non, je ramène les enveloppes chez Action, je ramène aussi les cahiers de coloriage et je ramène aussi un pantalon, un jean que j'avais acheté, mais ça j'avais acheté chez Zeman. J'avais acheté un jean blanc que je trouvais hyper sympa, un jean Moms. Je trouvais super sympa, mais quand je l'ai essayé, ben, ça ne m'allait pas du tout. Du coup, je vais ramener ça. Et j'avais pris aussi un ensemble pour Bébé Aïdou, mais c'est trop petit pour l'instant. C'est trop petit, donc ça ne sert à rien. Je vais lui mettre, ça va lui aller pile poil, mais c'est vachement petit, genre c'est serré quoi. Du coup, je ramène ça et puis je me fais rembourser. Donc là, au total, si je me fais rembourser, j'en ai pris pour 22 euros de la bonbonne. Les cahiers, ça m'a coûté 1 euro, 1 euro, il y en a 5. L'enveloppe, ça m'a coûté 2 euros. Donc, ça fait 7 euros. Ça fait 30 euros chez Action. Le jean que j'ai acheté chez Zeman, ça m'a coûté 15 euros. Et l'ensemble pour Aiden, ça m'a coûté 14 euros. Vous voyez, ça me fait... Aiden avait 60 euros. Je me fais rembourser 60 euros. Au lieu de garder tout ça à la maison, ça fait de l'argent qui va sur mon compte. Et en plus de ça, je vais acheter 5 kilos de riz ou 6 kilos de riz, donc 6 euros de moins. C'est parfait. Ça me fera 54 euros à peu près. Disons 50 euros parce que quand je vais aller à Aldi ou à Destock, je vais trouver 2-3 trucs que je vais prendre, c'est sûr et certain. Sinon, j'espère que vous allez bien. Il y a un Aldi juste là, donc je récupère Bébé Aïdou. Je passe vite fait à Aldi. Je peux passer avant, mais je préfère récupérer mon bébé, comme ça je reste un peu avec lui. Je récupère Bébé Aïdou. Je vais vite fait à Aldi qui se trouve juste à côté. Et après, on va aller à Carrefour Le Merlin, à côté de chez mes parents. Et comme ça, je passe vite fait chez Action, chez Zeman. J'ai pris de quoi grignoter pour Bébé Aïdou et je l'ai pris à boire aussi. Et comme ça, quand on va rentrer, il va être fatigué, il va manger, je vais le laver ou papa va le laver. Et après, on lui donne le dessert et puis il va se mettre devant Pat Patrouille et puis il va s'endormir. Voilà. Sinon, et vous, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Donne, j'épluche, donne la pomme, j'épluche. Donne, j'enlève la peau. Assoigné, Farah. Non. Farah, je t'enlève la peau dessus.
Regarde, je t'enlève la peau. C'est qui, va? C'est qui, il va saigner? Non! C'est qui, il va saigner? Enlève les chaussures. C'est qui, il va saigner? Enlève les chaussures, bébé. Enlève les chaussures, mon cœur. Maman, enlève les chaussures. Toi aussi, t'enlèves les chaussures. Assieds-toi, Doro. Doro. Tu veux que je te donne comme ça la pomme? Je t'enlève pas le milieu? D'accord. Doro, Doro. Doro, moi, c'est qui, va? Doro. Doro. Doro, moi, c'est qui, va? Voilà. C'est qui? Ça y est, le boule. Enfin, ça y est. L'autre pied. Qui ça y est? Alors, je vais ranger les chaussures. S'il te plaît, va ranger les chaussures. Ah ben oui, va ranger les chaussures. Non? Aiden? Ça y est, nous sommes rentrés. Il est 18h47. Aiden m'a demandé une pomme. Je lui ai piché une pomme. Il en a déjà mangé une tout à l'heure dans la voiture. Et je lui en ai piché une. Je suis passée avec lui chez Aldi, comme je vous avais dit. Du coup, j'ai pris un petit sachet de pommes à 3 euros. Parce que mon fils, il aime trop la pomme. C'est un truc de fou. Toutes les deux minutes. C'est pour ça, d'ailleurs, il appelle tous les fruits pomme, pomme, pomme. Même les clémentines, il appelle ça pomme. Ensuite, je suis allée chez Zeman. Je me suis fait rembourser. C'est bon. Et je suis passée aussi chez Action. Chez Action, je me suis fait rembourser, mais en même temps, j'en ai profité. Je suis repassée à l'intérieur. J'ai pris un seau pour faire le balai chez moi parce que j'avais pas de seau. Et j'ai profité, j'ai pris ça. Regardez, c'est une girafe trop mignon. Je vais mettre en déco dans la chambre d'Aïdou. J'aime trop. Je trouve ça hyper beau. Mais vraiment. Ça m'a coûté 6 euros, ça, chez Action. Et aussi, j'ai pris un petit lapin pour Pâques. J'ai acheté plein de petits trucs pour Pâques. Et donc, je ferai une petite déco en avril pour Pâques à la maison. J'aime trop aussi, c'est trop mignon. Sac poubelle. Ils m'ont remboursé 30 euros et je suis ressortie de là-bas avec 20 euros d'achat. Vous imaginez le truc? C'est plus le seau. J'ai pris le balai, mais le balai est resté dans la voiture vu que je suis avec bébé Aïdou et que je ne peux pas tout prendre. Mon cœur, en fait, il faut que tu arrêtes de manger là. On va manger, mon bébé. Ça y est. Ça y est, après, c'est fini. Après, il y a un cassant. D'accord? Il m'a mis un peu de temps. Il m'a mis la main. Après ça, c'est fini. Tu ne manges plus rien. On va manger, d'accord? Ma mère va faire le riz. On va manger le riz avec la sauce. Non! Si? Et chez Aldi, j'ai pris au total. C'est pas 1 euro, c'est 1,62 € exactement. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de riz comme ça. J'attends ce week-end ou demain. Demain, je vais passer chez Ikea. Je prendrai le gros bol. Comme ça, je mets tout dedans. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir pris tout ça. Au moins, je n'aurai pas à aller en chercher tous les jours. Mais je vais essayer de comparer. Parce que là, ça me fait 6 kilos à... Je crois que ça me fait 6 kilos à 8 euros et quelques. 9 euros. 6 kilos à 9 euros. Du coup, je vais essayer de voir ça coûte combien. Genre les 5 kilos de riz ailleurs. Et je verrai si c'est moins cher ou pas chez Aldi ou plus cher. Je vous tiens au courant. Donc là, je vais vite fait faire le riz pour la sauce. Comme ça, je vais servir et tout à manger. Parce que depuis tout à l'heure, il est en train de grignoter. C'est pas bon. J'en ai profité en même temps. J'ai pris des amandes ici chez Aldi. J'aime trop les amandes comme ça. Que toi t'as préparé. À la cantine, on m'a dit qu'il dégueu ma famille. Alors qu'il faut manger bien à la maison aussi. En plus, moi, j'ai dû voir la caméra que tu m'as dit. Miam, miam. Ça, et bien tu vas manger mon cœur.
décédé et le record historique de consommation d'électricité a été battu dans la province francophone du Québec. En un mois, la variation de température a dépassé les 40. Oui, c'est Aiden. Bam! 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 Bisous! Attends, fais coucou! Non, fais coucou d'abord! Pas de patrouille! Pas de patrouille, oui! Non, patrouille! Sa chambre est un bordel! C'est vraiment le bordel là, on est en train de faire des gommettes. Je suis allé le moucher, il a pris le mouchoir. Aiden, il y a l'aspirateur qui fait un tour. Viens ici, viens, reste dans la chambre avec maman. Parce que j'ai mis l'aspi en route, je ne sais pas si vous voyez, attendez. J'ai monté les chaises, j'ai enlevé les rideaux, j'ai mis l'aspirateur robot en route. Du coup, je reste dans la chambre avec lui, comme ça il ne me ramène pas tous les jouets dans le salon. Parce que moi, je l'autorise à jouer dans le salon, ça ne me dérange pas du tout, après je range. Mais là, vu qu'il y a l'aspirateur qui fait un tour, je ne voulais pas vraiment... C'est quoi? Des chaises. C'est où chaise? Montre chaise. Où est chaise? Ma patrouille. Pas de patrouille. Patrouille. Pas de patrouille en t-shirt. Pas de patrouille sur le lit. Pas de patrouille en thé d'oreiller, en housse de couette. Et pas de patrouille, plein de jeux pas de patrouille. En ce moment, c'est vraiment pas de patrouille, surtout Chase. Il adore Chase, c'est son personnage préféré. Un, deux, partez! C'est l'été, tous les jours c'est samedi soir. Yo! Hello, il est 20h, je suis de sortie avec mes soeurs et ma petite nièce. Nadrée, tu fais coucou? Elle a mal à la tête, par contre on va faire attention parce qu'on a Noël, si quelqu'un m'arrache le téléphone, je suis dans la merde. En tout cas, on va aller manger courir, chez Mamdjara. Donc là on va vite aller chez Mamdjara, j'ai mis l'écharpe alors que je suis pas voilée, hein. J'ai juste mis mon écharpe sur la tête. Mais je vais faire, puis Paris j'aurais pu rentrer non? Oui mais c'est pas grave. Mais ça va, j'ai trouvé une place, allez vite, on va rentrer au restaurant, je vais cacher mon téléphone parce que... Noël, c'est hyper dangereux, les gars, mais vraiment. C'est bon, en fait. Ah, ça y est. Que j'avais oublié, non. Merci. Oui, parfait. Merci beaucoup. Non, les filles, pardon. Bon appétit. T'aimes bien ça? T'aimes bien ça? Pas de patrouille? Fais pipi sur le pot? Hein, mon cœur? T'as fait ton premier pipi? Pipi! Pipi là, oui, pipi! Bravo! Pourquoi tu vois les yeux? Mali! Mali! Oui, Mali! C'est quoi comme René fille? Tata. C'est tata? Non, comment? C'est pas tata, c'est Cameroun. Ah oui, je le fous. Attends, je vais attendre. Ouais, oui. Ah, c'est pas bon ça. Oui. Oui, j'ai enlevé ma veste parce que tu. J'avais. Ça va le bébé? Après? Ça va?
Voilà, c'est ça. Je te fais goûter. Et oui, elle est belle la tarte. Hein? J'espère. Ouais. Non, c'est pas grillé. Ça coule. Moi, c'est Georges qui fait les crêpes.